Marine Le Pen pour le Rassemblement National évoque l'irresponsabilité de Benjamin Griveaux, mais s'interroge sur la possibilité d'un coup monté. Un homme mis en examen ce soir à Poitiers pour assassinat et tentative d'assassinat. Bon. Bon, ça, il faut que je la fasse, quoi. J'allume la radio. Bon. J'ai vu la télé, donc. Salut. Donc, je vais parler de. Enfin. De ce que je pense là de Benjamin Griveaux. Alors là, celui-là déjà, on pourrait dire, enfin, je vais pas insulter l'animal. Hein. Il a vraiment une tête de veau. Et le mec, il s'est fait toper. Bon, fait, apparemment, c'est la mode quoi, de faire des films de, excusez-moi, donc de cul. Les mecs, ils font leur truc. Ils se filment quoi. C'est bien ça, ça garde un souvenir. On montrera ça aux copines, enfin je sais pas, c'est leur. Chacun leur délire. Maintenant les gars ils font de la politique. Bon, on sait les baltringues que c'est, ça c'est clair. Et il y a quand même quelques précautions à prendre. On le sait qu'ils font. Qui font des partouzes, enfin bon, on le sait tout ça. C'est de notoriété. C'est pas dit à la télé, mais bon. C'est même plus des rumeurs tout ça. Leur pratique. Hein. Ils s'en cachent même pas. Alors, donc par rapport à Griveaux, j'ai bien aimé, parce que j'ai entendu le truc là, de Piotr le Russe là. Enfin, l'artiste, enfin bon, il a une drôle de. Il est aussi pareil. Je pense pas que ce soit. Qu'il soit un saint, quoi. Qu'il soit. Il est pas là non plus par hasard. Mais bon. Ce sont tous des pions qui ont leur rôle. Et. Donc, il a dit que Griveaux. C'était un être détestable, je crois. Très juste. Hein. Qui a commencé sa campagne électorale donc par le mensonge, l'hypocrisie, en exposant sa famille, etc., pour attendrir les gens, etc., etc. Enfin bon, le cinéma habituel qu'on connaît. Mais bon, c'est pas le seul à le faire. Bon, voilà, ça, bah, il a dit des choses qui sont pas fausses. Là, on voit Castagnette. Qui fait le. Comment on appelle ça là? Le sinistre de la répression. Des manifestations. Qui dit il faut traduire donc devant les tribunaux. Voilà. Marine Le Pen. Qui dit non, c'est pas bien de sortir ça. Il démissionne de la candidature à la ville de Paris. Bon, mais déjà. Déjà c'est une bonne chose pour les Parisiens ça. Ensuite qui c'est qu'il y a Anne Hidalgo aussi pareil qui va de son petit truc puis l'autre là, le mec là, le mathématicien là. Enfin bon c'est d'un niveau c'est vraiment lamentable quoi. Là, faut dire que mais bon. J'avoue que dans cette période de grisaille triste, eh bien, ça fait, des trucs comme ça, ça fait rigoler. Et on va pas s'en priver, quoi. D'avoir des moments donc, de rigolade sur, avec des sujets comme ça. Alors. Comment dire, moi ce que je vois au travers donc de ces réactions, de dire oui on sort un film, enfin je sais pas, j'ai pas vu là sur internet de comment dire, scène sexuelle donc où il est avec une nana, l'autre qui dit que peu importe si c'est lui qui a été chercher la nana ou si c'est la nana, enfin le mec qui a été le chercher donc pour mettre ça donc
en visu donc pour tout le monde. Je l'ai pas vu hein, ce truc, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et alors les gens qui se disent c'est une. Non, ils disent pas le mot complot. Je sais plus, enfin une machination, je sais pas quoi. Voilà. Donc ils sont capables de nous inventer, les mecs qui gueulent contre les complotistes, théorie du complot. Ils vont dire voilà, c'est un complot. Enfin, ils sont capables de nous sortir ce truc-là, quoi. Voilà, voilà. Alors oui, donc ce que je voulais dire par rapport à ça, mon analyse, je vais un petit peu, donc fais pas de raccourci. Alors, mais c'est mon défaut, chasser le naturel, il revient à l'eau. Ça veut dire que tous, ils ont des. Comment dirais-je? Ils ont tous une vidéothèque. Donc, avec des films dans lesquels ils sont acteurs, actifs. Voilà ce qu'il en est. Donc, évidemment. Ah, il y a même Mélenchon aussi qui a pris le. Oh, putain, mais ces mecs-là. Dans des poubelles, quoi. Dans des containers à poubelles, bien dégueulasses. Des traîtres à la nation, des gens qui sont là, des opportunistes, ils servent à rien, juste à se servir. C'est honteux, quoi. Ils sont arrogants. La vraie délinquance, elle est là, en fait. Voilà. Donc, tant mieux. Tant pis pour sa gueule, à celui-là. Griveaux. À bientôt.